Alors, bonjour à tous et toutes. So hello everyone, we are back for this last step for data and culture. So you will allow me to warmly thank on behalf of SynapseE and our partners, the OCAD University and the audience agency that you've heard previously. We thank you all. You were numerous. You were 1,800 each day registered to this event. So we are pleased by the buzz that was created by this major meeting. Yes, we can qualify it as being a major meeting on data. You will allow me to thank the stakeholders, speakers, panelists, moderators, animators. You've made a wonderful work, and behind the scene, there were more than 55 persons that took care of this totally virtual event progression. Thank you to all of the interpreters that took place during the entire event. It seems that it was very appreciated. So it was a fruitful event. We're pleased by what was said. And I would tell you that by closing these 3 days of exploration of data with respect to culture, being confident of our future on information and data, and mostly confident of this large network that was created. So it was a greenhouse of information, an important exchange setting that will give rise to rich collaborations in all territories and between all organizations that will move to an accelerated use of data with culture. So talking about this, I would like to tell you that we've had several countries, Germany, Australia, Brazil, Canada, Chile, Denmark, US, France, Greece, Hungary, Italy, Morocco, Norway, New Zealand, Holland, UK, Sweden, Uruguay, and Russia. So virtual has its virtues, and one of those was allowing the participation of these people that came from here and elsewhere. So it is an important event that will contribute to all of the cultural aspect and data, and we hope that it will be virtual in post-COVID situation and at different levels of government. It is an accelerated movement of use of data and culture. We must organize events like this one. So, let's talk now about a more festive and artistic aspect. Let me introduce to you the artist whose performance we'll see shortly. It's like a recap of the data eco-culture by Data Art, which is a presentation of a cloud of words on data eco-culture. This will take a few moments before putting it online. So this is just a token for all of you. It is a cloud of words. It is from Synapse SA, Erich Pages, who created, with the help of his colleague, the presentation of this cloud of words in question. Ça devrait pas être très long. Shouldn't be too long.
Après la présentation de ce nuage, after the presentation of this cloud of words, we'll have the opportunity to talk to Charlene. Charlene Dalisa, while we're awaiting this cloud of words, I'll describe her to you. Charlene is an artist that evolves between video, installation settings, writing, performance, sound, composer, culture, and Dalí is interested in the relative perception of the truth and the connection with the bodies and environment. Her work is truly an invitation to slowness, and it's quite rare, mainly. So hypersensitivity is a power to act and derives from our capacity to be affected and claim our fragility as a strength in order to turn to the world. Her work is all about spaces where human, biological, mineral essence is actually put forth with the hegemonic current, with the subversive, with the sweetness of empathy. I love that in your biography. She turns to the queer and feminist way of taking a look at our work. Charlene Dalí, she's based in Paris. She's in Paris so far and the unceded territories of Montreal. Trained in visual arts at the UQAM University and at the Gaîté Lyrique in Paris also. Her work was at the Museum of Contemporary Art in Toronto, Place des Arts in Montreal, UTech, Montreal, Buenos Aires, and Barcelona. So, Noviembre Electrónico Buenos Aires and at the Festival of Montreal also. And at the laboratories in Toulouse. So she has produced a Signal Culture in New York, Somerset House, and at the Technological Society in Montreal. So welcome, Charlie. Obviously, the cloud of words actually is not there. So we'll come back to it some other time. So our ways of doing things, you'll tell us a short word, and then we have a video presentation. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Thank you so much for this nice introduction, Diane. I'm very glad to be with you all today. And yes, I'm an artist who's involved in the Montreal art scene. Eastern Bloc et perte de signal. And Eastern Bloc that I thank as well for their invitation in to present my work today. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation. So we'll begin with the presentation of my artistic work. Ma pratique, elle évolue entre différents médiums, la vidéo, les arts imprimés, la peinture, l'écriture, la composition sonore et la performance aussi. Donc à travers tous ces moyens d'expression, je propose des imaginaires alternatifs pour réfléchir autrement à la crise environnementale. Je m'intéresse aux notions relatives à la perception du réel et à la possible redéfinition des frontières entre les corps et leurs environnements. Je cherche à appréhender l'hypersensibilité comme un pouvoir agir, qui découle en fait de notre capacité de se laisser affecter et de revendiquer notre fragilité comme une puissance à partir de laquelle appréhender le monde. Je suis particulièrement inspirée par le radical softness, c'est-à-dire le potentiel subversif de la douceur et de l'empathie, mais aussi par les théories queer, les théories écoféministes, et notamment par la pensée de Donna Haraway, qui dans son manifeste Cyborg se demande « Pourquoi nos corps devraient-ils s'arrêter aux limites de notre peau ?» Alors, elle propose ainsi de redéfinir les frontières entre l'humain et le non-humain.
Et ma pratique, elle s'inscrit dans ces nouvelles ontologies du monde, où l'empathie agit comme force fédératrice. Et invite également une reconnaissance du soi dans l'autre et de l'altérité en soi. Ma pratique, elle se décline à travers un lexique de formes fluides, d'empreintes, de lumière. Alors, je vais maintenant vous présenter quelques récents projets, en commençant par Fossile Possible. C'est une œuvre vidéo réalisée en 2019 que j'ai eu l'occasion de présenter au Musée d'art contemporain de Toronto. Et en prenant la forme d'une science-fiction poétique, c'est un projet qui met en lumière l'imbrication intime de l'environnement extracorporel à nos expériences intérieures. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé les techniques de la photogrammétrie et de l'imagerie de synthèse pour aborder les questions de la perception du réel et aussi de la dissolution du soi, la dissolution de l'identité. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Je me souviens d'une empreinte particulière. Son motif s'apparentait davantage à celui d'un désert. Le relief imprimé dans le sable se creusait de telle sorte qu'il formait des murs dissimulant la lumière à l'horizon. Ces chemins sinueux formaient un labyrinthe étrangement familier. La sécheresse de ce monde faisait grandir l'espoir d'une source. On dit qu'il existe encore des espaces d'eau douce, là, dans les entrailles de la terre. Chaque fois que je m'enfonce dans cette architecture incertaine, une question persiste. Ma perception me donne-t-elle accès au réel ? De quelle réalité parle-t-on ? Un autre projet qui s'inscrit dans la même lignée, Réfléchir la source, c'est une œuvre vidéo réalisée en 2018 que j'ai eu l'occasion de présenter dans divers contextes à Montréal, au Data Salon à Eastern Bloc, à la salle d'exposition de la Place des Arts, au festival HTML Slow Tech présenté par Adaïx, et bientôt elle sera aussi présentée aux abattoirs à Toulouse dans le cadre des rencontres traverses. C'est une œuvre qui met en scène un futur où l'eau se fait rare, dans un désert aride qui ne cesse de s'étendre. Et au sein de ce non-lieu, je pars à la recherche d'une source qui est difficilement cernable. C'est une quête à la fois introspective et symbolique, dans laquelle l'essence de l'être et du monde se confondent. Voici un extrait.
La temporalité de cette vidéo, elle est assez caractéristique de mon travail. On a comme l'impression que le temps est en suspension. Et au sein de mon parcours, en fait, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations en hypnose et en auto-hypnose comme outil créatif. Et j'utilise plusieurs de ces techniques d'induction hypnotique au sein de mon travail, au sein de mes œuvres, pour favoriser l'entrée dans un espace introspectif. Pour moi, la lenteur, c'est aussi un acte politique, un acte de résistance face à l'hyperactivité de notre société. Ralentir, réfléchir, réimaginer des futurs possibles, je crois que ce sont des choses dont on a profondément besoin en ce moment. Je vais continuer avec Le désert mauve. C'est un de mes projets en collaboration avec la compositrice Gabrielle HB. Ensemble, on fait de la synthèse audiovisuelle qui est souvent minimale, douce, hypnotique. Alors, regardons tout de suite un extrait. Notre travail, il se présente sous la forme de performances, de projections immersives ou d'installations. En résumé, notre démarche, elle est guidée par les notions de care, de lenteur, de durabilité. Je dirais que notre mission, c'est d'offrir des espaces où il y a de la place pour l'introspection. Et on aime l'idée de faire perdre la notion du temps. Alors voici des extraits de notre performance Microstar, présenté à MUTEC à la Place des Arts en septembre dernier. Alors sur le plan technique, pour les visuels, j'utilise des technologies vidéo analogiques qui sont caractéristiques du début de l'art vidéo des années 60-70. Donc là, je fais référence à des techniques qui sont la synthèse modulaire, le circuit bending et les phénomènes de rétroaction vidéo. Alors je suis particulièrement inspirée par les pratiques pionnières des Vazulka et de Lillian Schwartz pour ce qui touche à la vidéo. Pour l'aspect sonore, on est très inspiré par les compositions d'Eliane Radig. C'est vraiment une grande référence pour nous. Voici un extrait de Silk Ripple. C'est un projet, une œuvre performative qui va être diffusée pour la première fois au festival Suoni per il Popolo en juin. Thank you.
recherche s'intéresse aux théories d'Astrida Neimanis sur les archives du sensible. Et elle aborde ces archives en tant que documentation fluide. Et dans sa pensée, il y a ce motif océanique que je trouve vraiment intéressant et qui me parle beaucoup et qui évoque de façon métaphorique la dissolution des traumas au sein de l'inconscient. Dans mes expérimentations, je vois vraiment le flux électrique du signal vidéo comme une manière d'incarner ce caractère volatile et mouvant de la mémoire et des souvenirs. Parce que, en fait, l'électricité, c'est quelque chose de vraiment mouvant et très vivant, finalement. Dans le cadre d'une résidence dans le dôme de la SAT, la Société des Arts Technologiques à Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu comparable à un planétarium en termes d'espace. Et avec le Désert Mauve, on a réalisé un film immersif avec une narration qu'on a coécrit. Ce film, il s'appelle Corps minéral et il propose une expérience introspective inspirée de la géologie, de la science-fiction, des archives documentaires. Et le projet aborde les strates de mémoire contenues autant dans la roche que dans nos cellules comme des éléments qui s'inscrivent dans des cycles allant de la sédimentation au désagrégement. Et ce projet, il invite à appréhender tous ces processus de transformation avec attention pour considérer leur lenteur comme un moyen de guérir les blessures. Alors, une version du projet va être présentée au Festival de la Poésie de Montréal en juin. Et je vous propose de regarder un court extrait. Alors que les cristaux se réfléchissent sur la rétine comme autant de possibilités spacieuses. Combien de couleurs il y a peut-être ? C'est l'infini. L'impossibilité du calcul. J'observe ma petitesse et la grandeur de l'ensemble avec aveuglement. Il reste plusieurs formes de brûlures sur mes paupières. Je n'ai jamais réussi à ne pas scruter le ciel directement. Ses contours, sa hauteur, ses durées, combien de choses ? J'ai oublié. En parallèle de ces projets, on me commissionne régulièrement pour la réalisation de performances, de vidéos, souvent en collaboration avec des artistes sonores. Et par exemple, dans le cadre d'une collaboration avec Hunters, donc c'est un groupe qui inclut aussi les auteurs et autrices Jacob Wren et Alexis Perry Cox, on a créé une œuvre performative qui incluait leurs textes, qui sont très poétiques, avec une grande charge politique aussi. Alors voici un extrait de l'œuvre présentée dans le cadre du Sunny per il Popolo l'année dernière. What occurs in the shadow can only be seen from inside the shadow, which means that we only learn about it when the shadow begins to speak. Reinventing the reinvention of the wheel. When nothing is finished, everything is possible. Imagine that the first men on the moon were actually women. A cover version of Bastien Adder's I'm Too Sad to Tell You. Entitled, I'm Too Tired to Tell You. Yes. Anyone seeing the situation wondered if anyone can comfortably experience democracy. He's like a lion with caged eyes.
beaming his stare into eyes that are equally caged. Self-awareness without change. In the right context, singing and dancing can really be some of the most beautiful expressions of resistance. Into the sphere of understanding, to gradually acquire the face of a conscious reality. A reality whose essence is deadened by autopsy, but is not actually dead because it still exists. Trying not to repeat history is a repetition of others who have tried not to repeat history in the past. A good conversation is a conversation in which one might change one's mind. Defund the police. 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 Et finalement, je voulais aussi vous présenter un exemple de vidéoclip. Celui-là, je l'ai réalisé pour Fly Panam. Il a été commissionné par le label Constellation. Donne un petit aperçu des projets que j'ai pu faire dernièrement, ma pratique. Je voulais aussi vous partager mes recherches actuelles. Donc, je développe en ce moment un nouveau projet qui s'appelle « Quelque part sur un astre, les corps », qui est une œuvre en réalité virtuelle. Et ce projet se propose de considérer la crise environnementale à partir de l'étude de très anciens fossiles. Cette œuvre qui va jusqu'à imaginer de nouvelles manières d'être au monde, inspiré par les récits de science-fiction d'Ursula Le Guin, des nouvelles manières d'être au monde qui se manifestent sous la forme de fossiles cyborgs, d'organismes biotechnologiques, de néoplanctons ou d'autres espèces un peu ambiguës. Et dans ce projet, je réfléchis à un espace où en fait les identités humaines, biologiques, minérales, technologiques se brouillent et se confondent en fait. Dans l'idée de raconter de manière sensible et de manière autre que les récits écologiques hégémoniques, raconter de manière sensible l'apparition de la vie pour être en mesure de peut-être mieux envisager les extinctions en cours et à venir.
foresee the possible extinctions that we will see in the future. Thank you. Thank you for those visuals that allowed us to see your work. And I would like to tell you that I hope you will be coming to Montreal. In June, in summer, you will be coming for the whole summer, coming to Montreal. So we'll certainly have the chance to visit your works. And the other thing I wanted to say is that we couldn't see the cloud of words that you saw. I hope you had the chance to appreciate it. It was about organizing your words, the words that you sent us, in that image, in that cloud. So reorganizing it with algorithms. So this is, we're coming to the end of our conference. We ended in sweetness, in softness with Charlene, who's inviting us to reimagine possible futures. And it's a little bit what we're doing when we're trying to use data, that we're projecting ourselves in that digital world and all the information that that comes with it. So I'll go back to a sentence of Ricker, who was our minister at the opening this morning. The digital world has no barriers, no frontiers, unless we impose barriers or frontiers on that universe. So I hope those days inspired us with ways to go beyond those frontiers or barriers. So all our greetings from us, the organizers. We will certainly see our ways crossing again on the data.